je suis installé ici depuis 6 ans, ça fait. C'est tout neuf. Ça a été construit donc juste avant. Il y a deux barns. Il y a 60 box. 60 box, pas mal de paddock, beaucoup de chevaux vivent dehors. J'ai deux lignes droites, 2000 mètres, une en terre, une en sable. Et j'ai une piste ronde en sable et en mâche fer. En règle générale, ils travaillent trois fois la semaine, en une seule fois. Ils font des lignes droites, ils travaillent que en ligne droite. En règle générale. Après, il y en a quelques-uns qui travaillent que deux fois la semaine et qui font des hits. Mais dans l'ensemble, ils travaillent tous les deux jours. Alors, tu disais que tu avais 60 box ici. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu gères ton effectif ? L'effectif, il est composé à peu près pour moitié de poulains. Des bourrages qualifiés. Et à peu près j'ai 25 chevaux à courir régulièrement. Après j'en ai une dizaine à l'extérieur au pré et je fais des roulements de temps en temps, j'en relâche, je reprends, etc. tout au long de l'année. Quoi. Alors t'as un monsieur qui compte, t'as un gros propriétaire chez toi, c'est monsieur de Souza. Ouais, et c'est sûr que c'est même plus qu'un gros propriétaire parce qu'il a peut-être au moins trois quarts de l'effectif, ça doit être à lui. Non, dès mes débuts, c'est lui qui m'a lancé. Et il a régulièrement investi. J'attends juste de tomber sur le bon cheval. J'espère que ça va pas tarder. Alors cette année, c'est ta meilleure année. Tu as franchi la barre des 1 million d'euros de gains. T'expliques cette réussite comment ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chevaux malades l'hiver dernier, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, c'était pas terrible. Beaucoup de chevaux de malades, donc ils ont été retardés et là ils sont revenus en pleine forme et une bonne génération de A. J'ai débuté beaucoup de A qui ont gagné et c'est des chevaux qui trottent. Donc voilà, c'est un ensemble, hein, mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas trop bien travaillé en fin d'année et là ils ont bien retravaillé. Donc non, j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, mais c'est vrai que c'est une très bonne année.